Bah, écoutez, aujourd'hui en Israël, on parle beaucoup de la liberté d'expression, puisque le ministère de la Culture a voulu interdire une pièce de théâtre qui portait, qui donnait sympathie pour un terroriste qui avait tué un policier juif, et que cette pièce n'a pas été interdite. Elle a été simplement, on a arrêté la subvention de ce théâtre. Et ça fait une grande polémique entre les artistes et le ministre de la Culture. Ici, on est dans un des points les plus peut-être profonds de ce qu'il se passe dans la contemporanéité, dans l'espace contemporain, par rapport, je parle, toujours en optique toranique. C'est que la liberté d'expression, ça veut dire quoi? Ça voudrait d'abord de sacre pour un état laïque, pour une conscience laïque, tout processus de sacralisation en disant c'est sacré la liberté d'expression, c'est quand même suspect, c'est quand même bizarre. On est religieux, on est laïque. La religion peut sacraliser des modalités humaines, comme la prière, comme l'étude de la Torah, comme je ne sais pas quoi, comme la prière, comme la relation à la transcendance. Mais quand on est dans la matière laïque et qu'il n'y a pas de transcendance, rien n'est sacré. Tout est une question d'aménagement de principe. Donc la liberté d'expression, bien entendu, elle a sa valeur, mais elle ne peut pas être absolue dans une démarche laïque. Et donc, qu'est-ce qui est en jeu en réalité là-dedans? Ce qui est en jeu là-dedans, c'est que, effectivement, depuis 200 ans, 300 ans, c'est pour la vérité, ça commence depuis très longtemps, il y a un processus séculaire où l'épanouissement personnel, ou plutôt le droit, a détruit la notion verticale de valeur. Et donc on a un conflit entre, et surtout, en conflit entre la valeur, c'est-à-dire la valeur ou la vérité en soi, et l'épanouissement personnel. Et surtout, on a considéré que toute vérité qui oblige est quelque chose de négatif. On est rentré dans un système de pensée idéologique, historiquement, où le but ultime de la pensée, le but ultime de la parole, le but ultime de l'art, le but ultime de la manifestation humaine qui est capable de créer des concepts, de créer de la beauté, de créer de l'art, en vérité, ce n'est que pour exprimer une personnalité, exprimer une liberté. Et ça, c'est une très grave erreur. C'est l'erreur, d'après moi, de la modernité. C'est que, à ce moment-là, cette frénésie de liberté a complètement vidé la liberté de son contenu. La liberté n'a de sens que si elle donne les clés à quelqu'un pour essayer de arracher à l'éternité, à l'immortalité, à la vérité, les étincelles extraordinaires de l'apparaître de cette vérité ou de cette étincelle qui passe à partir de la liberté. Mais quand la liberté ne devient qu'une redondance, ne devient qu'un droit à l'expression, et que ce droit a complètement bafoué la notion de devoir, pas du devoir moral, tu dois faire les choses, mais le devoir au sens de l'intrigue, le devoir au sens que d'ailleurs les grands artistes connaissent, que je ne suis pas là juste pour dire ce que j'ai envie de dire, mais je suis là pour, à partir de mon existence, de ma matière, de ma liberté, d'essayer de faire apparaître l'éclair génial et éternel du vrai et de la beauté infinie des choses. Et là, on est dans une sorte de contradiction extraordinaire. C'est que, on a, au nom de la beauté, au nom de la vérité, au nom de l'art, au nom de la conscience critique, de la conscience politique, on a dit qu'il n'y a plus de valeur verticale, il n'y a plus de valeur révélée, il n'y a plus que ce que... On s'est porté, on est rentré dans une sorte d'idéologie du vide, du néant. Puisqu'à partir du moment où il n'y a plus de valeur, alors comment peut-on affirmer au même moment la valeur absolue de la liberté d'expression? Un système de pensée qui détruit la notion même de valeur verticale et qui dit que tout est réduit à une volonté ou à une liberté ou à un état d'esprit. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Chacun, donc dans ce cas-là, il n'y a plus de valeur. S'il n'y a plus de valeur, comment est-ce qu'on peut venir après proclamer la sacralité de la liberté d'expression? C'est fabriquer une valeur dans un monde qui n'a pas de valeur, ça ne veut rien dire. Donc dès qu'on a commencé à, dès qu'on dit qu'il y a une valeur sacrée à la liberté d'expression, on rentre dans le système des valeurs. Dès qu'on rentre dans le système des valeurs, on rentre dans un monde qui transcende la liberté et qui fait apparaître une dimension verticale de l'être qui est proche de la révélation. Et là, il y a une contradiction énorme dans la pensée moderne, où d'un côté, on sacralise à tour de bras, en réintroduisant les vieilles archétypes religieux
avec des hiérarchies, ça c'est plus sacré que ça, ça c'est moins sacré que ça. Avant, la patrie était au-dessus de tout, aujourd'hui la patrie c'est en dessous, aujourd'hui c'est la liberté d'expression qui est au-dessus, etc. Mais tout ça ne veut rien dire dans la mesure où on ne peut pas fabriquer une échelle de valeurs si on ne croit pas aux valeurs. Et c'est là la contradiction énorme qui existe dans la pensée moderne. Et c'est là où je dis liberté d'expression. Dans le judaïsme, elle est sacrée. Mais pourquoi elle est sacrée? Pas parce que j'ai la liberté de dire ce que je veux. C'est parce que chaque personne doit exprimer expression, doit exprimer à partir de sa singularité, de sa génialité, de sa spécificité, doit exprimer le secret de son écoute de la parole divine, le secret de son écoute de la parole divine qui traverse le monde, qui traverse les fleurs, qui traverse la nature, le fleuve, la mer, qui traverse le livre de la Torah, qui traverse le regard des autres. Et il se doit de dire cela. De dire cela. Ça, c'est la liberté d'expression thoraïque. Mais la liberté d'expression qui dit que j'ai le droit de crier, d'insulter, de bafouer, de blasphémer, de dire ce que je veux, quand je veux, parce que rien n'existe, rien n'est sacré, rien ne va, et je peux faire ce que je veux. Quand on a une telle pensée, il ne faut pas à ce moment-là s'étonner qu'une violence s'abat en retour, parce que c'est une contradiction énorme. Si vous pensez qu'il n'y a aucune valeur intrinsèque, si vous pensez qu'il n'y a pas de vérité en soi, si vous pensez qu'on peut tout dire, tout penser, tout insulter, tout blasphémer, donc ça veut dire qu'il n'y a rien, qu'on n'est que de la matière. Dans ce cas-là, votre liberté d'expression n'est pas du tout sacrée, je peux aussi moi aussi la bafouer. Et donc, dès qu'on pose la liberté d'expression comme quelque chose de sacré, on rentre dans l'élection humaine. Et dès qu'on rentre dans l'élection humaine, ça veut dire qu'il y a des valeurs, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Et donc, il faut trouver, bien entendu, la dynamique poétique, la dynamique intelligente, où la liberté d'expression, qui est la liberté de dire, la génialité, l'intrigue de pourquoi chaque être a été créé, comment au contraire, au lieu d'insulter, de bafouer, de mépriser, ou d'abaisser la croyance ou la beauté de l'autre, et au contraire, un ribouille, une multiplication des étincelles de la lumière qui font le grand brasier de l'humanité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on sera dans des violences contre des violences, la violence fanatique contre la violence laïque. Et c'est la même racine de la violence, c'est l'aveuglement, le fait de ne pas comprendre que les choses ne sont pas que matérielles, les choses ne sont pas que de la volonté de puissance, les choses sont dans l'élégance d'un échange.